Vous savez, je trouve qu'on n'a pas encore suffisamment parlé du Yamaji garçon de 15. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on va revenir sur son cas et surtout dans l'exercice dans lequel il est vraiment le plus violent. Salut à toutes et tous et bienvenue. Aujourd'hui, sujet Beach Brave Souls et vous l'avez compris, on va refaire un peu la part belle au Yamaji de la 15e vague guerre sanglante parce que on a fait certes une découverte, un épisode showcase, présentation du perso, les compétences, les équipements, etc. Mais on n'a pas été complet finalement sur cet épisode. Puisqu'en effet, je vous ai expliqué que Yamaji était capable de détruire le jeu, mais entre l'expliquer et le démontrer, notamment dans l'exercice des quêtes de groupe en rotation hard, c'est autre chose. Il n'y a rien qui lui résiste. C'est pas bien compliqué, c'est que malgré tous les handicaps qu'on peut essayer de lui caler dans les runs, il y a toujours un moyen de les bypass et de faire en sorte que le perso conserve sa débilité, voire même qu'il le soit encore plus. Pour rappel, le perso est donc P3 monté à 10 en pression spirituelle, concentration et attaque. En termes de compétences bonus additionnelles, on a choisi le 25% de perfection et de faire un cumul sur une sorte de brise armure plus 2 finalement. Ici, en termes de stuff, on va d'abord commencer par lui mettre évidemment le meilleur item pression spirituelle pour son profil. Le petit set de T pour connaisseur qui va bien. Ici, on est sur une rotation de quête de groupe où les attaques spéciales ont des dégâts divisés par 2. C'est pas grave, on va faire en sorte que les attaques spéciales reviennent à leur valeur normale, divisées par 2. Oui, mais corps céleste, remultiplié par 2. Dans la mesure où on cherche exclusivement à faire un maximum de dégâts, la petite vignette qui va bien pour augmenter de 40% les dégâts du killer holo. Ça tombe bien, il n'y a que des holos entre autres dans cette run. Ensuite, en termes de link, oubliez tout ce que je vous ai montré pendant le showcase. On veut pas du cooldown, on a pas le temps de penser à recharger les strongs. Vous allez voir que de toute façon, c'est pas le but. Ici, on veut que tout fasse exclusivement du dégât. Donc, de la perfection, de la perfection, de la perfection et des dégâts d'attaque puissante. De toute façon, vous avez vu les valeurs de dégâts à l'instant. On part sur 60% d'augmentation des dégâts des strongs, attaque spéciale augmentée de 100% grâce au corps céleste et 90% de perfection. Donc, oui, ça commence à faire du mal là. Les persos qui vont venir entourer Yamaji dans cette rotation, on va d'abord parler du Ikaku vitesse parce que, bah, tout simplement, ce personnage est une brute. C'est un gigantesque cogneur absolument incroyable, complètement débile. Mais ici, encore une fois, il aura pas le temps de se déplacer de son spawn. Il va faire un pas, la run sera finie. Ici, il est là pour une bonne et simple raison. On veut profiter de sa strong 2, de son boost. Il va la balancer dès le départ en quelques frames. Donc toujours un bon support offensif dès le début de la run. Et après, pour le troisième perso, bon, on a cherché à meubler un petit peu. Alors, par contre, le meublage, ça me fait mal de dire ça, cette incroyable Red Sou Safui. Elle aussi en situation de FT, T20, tout ce qui va bien. On l'a stuffé comme une reine pour qu'elle fasse un maximum de damage. Pareil, elle aura pas vraiment le temps de balancer l'entièreté de ses strongs au départ. Si elle a le temps d'en balancer une, c'est déjà bien. Une deuxième, c'est que j'ai été un peu lent. Ceux qui ne savent pas à quel point cette version de Garçon 95 de Yamaji est vraiment ultra débile, ou si vraiment vous comprenez pas encore à quel point c'est réel ce que je vous dis, dites-vous qu'en quête de groupe difficile, quelle que soit la rota, déjà si vous faites moins de 10 secondes, franchement c'est que vous avez bien géré quand même. Moins de 5 secondes, c'est que oula, là vous avez vraiment une méta team qui est vraiment parfaite, qui est stuffée vraiment royale, des lignes très bien travaillées, les meilleurs items, meilleurs trios de perso que vous pouvez avoir, c'est vraiment extraordinaire. Et bien, sachez que vous pouvez aller encore plus vite. Vraiment. Cependant, vous décrire à quel point un perso est débile et vous le montrer en image, c'est un peu autre chose. Donc tout de suite, des images. Ne clignez pas des yeux. Là, si vous clignez des yeux, c'est foutu. Oh, j'étais lent, merde. Alors, en termes de loot, ça va, ça se prend. On peut aller plus vite. Sur un truc, un détail débile, c'est que au début de la run, j'ai fait un Shunpo de trop. Je bourre au départ, je vais trop vite. On attend que le boost arrive. Et pourquoi je lance ma S2 en fait? Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je veux absolument lancer ma S2. Non, lance pas ta S2, lance la S1, ça va très bien aussi. Surtout quand il reste plus Kaizen à la fin. Alors, est-ce qu'on a fait mieux? Eh, on a fait mieux. À peine mieux, mais c'est histoire de dire que, encore une fois, sub 10 secondes, c'est franchement incroyable. Sub 5 secondes, vous êtes vraiment godlike, mais il y a moyen de faire encore plus rapide. Même là, dans cette situation, dites-vous que ce score est encore améliorable. D'ailleurs, c'est ce qu'on va tenter sur cette troisième run. À partir du moment où je vois qu'il n'y a plus Kaizen, en fait, je comprends pas pourquoi je m'évertue absolument à balancer ma Strong 2. Elle a un temps de cast qui est plus long. Ah, je crois que là, on a été bien, là. Je crois qu'on était pas mal. Parce que j'ai réussi à caler ma spé, en fait, après le premier Shunpo, pendant qu'il était sur l'animation du deuxième. Donc, normalement, on est good, là. Ah ouais, 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 on est pas mal, on est pas mal. C'est pas mal. Et en termes de loot, ah, eh ben, une petite récompense cool. On peut aller encore plus vite, hein. On peut vraiment encore aller plus vite, hein. Je vois des gens qui ont déjà tenté le sub une demi-seconde. Alors, c'est un petit peu différent comme cas à travailler, mais sachez que ça peut se faire. Pour faire le sub une demi-seconde, en fait, tout est un travail sur votre temps de réaction et sur les frames de déplacement de votre perso principal. En d'autres termes, il faut réunir déjà une condition, c'est qu'il faut que tous les mobs spawnent devant vous. Vous avez dû remarquer que très souvent, sur les packs, ils avaient tendance à avoir deux spawns différents, c'est-à-dire soit le boss spawn en premier et le pack de mobs est en retrait
près de lui, en arrière, ou alors bah, tout le monde vous spawn devant le nez. La première condition pour pouvoir réussir ça, c'est d'avoir le pack de mobs qui spawn devant votre nez. Alors après, ça va nécessiter un timing bien pointu, bien précis, ça va être une question d'habitude, mais dès lors que vous avez capté que le gros pack était devant vous, vous lancez l'animation de Von Shunpo, et quand vous êtes vraiment, mais genre, à la toute fin, mais c'est vraiment un calcul de frame, hein. Vous balancez votre spé, vous balancez une strong, et là, normalement, vous allez réussir à faire des trucs assez fous. J'ai déjà pu voir aussi des vidéos de joueurs qui faisaient l'inverse, en fait, qui balançaient dans un premier temps la strong 1, mais qui ne laissaient pas l'animation aller jusqu'au bout, qui faisaient un cancel pour pouvoir ensuite se déplacer et aller en avant du pack qui venait de spawn, et là, pendant l'animation du Shunpo, ils balançaient l'attaque spéciale. Faut bien faire attention, parce que malgré qu'effectivement la portée de l'attaque spéciale soit énorme, si les packs de mobs sont trop reculés vers le fond de la room, vous pouvez louper bêtement un mob en fait. Et du coup, bah là, ça vous ruine votre tentative quoi. Le choix des équipiers est quand même important, il vous faut quand même à minima un perso qui booste pour que vous puissiez réaliser ce genre de choses. Et le choix de Retsu en troisième perso, je ne trouve pas si déconnant que ça, puisque normalement elle va commencer par balancer ses premières strong et elle va forcément toucher quelqu'un. Même si c'est que pendant quelques frames, elle va quand même aider à dépop et faire un petit peu de dégâts. Donc c'est toujours quelques mobs en moins à pour vous à dégommer, donc quelques ticks en moins que votre attaque spéciale n'aura pas à s'occuper. Sur ce genre de détails là, je me suis pas amusé à faire des calculs de dégâts. Je sais pas si quelqu'un s'est déjà amusé à le faire, mais il y a encore une fois, faut vraiment que vous compreniez que ce perso, en fait, dès lors que vous appuyez sur l'attaque spéciale, il y a une somme d'éléments absolument phénoménaux qui se déclenchent tous en même temps, et ça donne des résultats mais dévastateurs au possible. Rappel des faits, on part sur 90% de perfection qui agit donc sur l'entièreté des dégâts du moveset, y compris l'attaque spéciale. Attaque spéciale qui, je le rappelle, est déchaînée plus 1. On a mis un corps céleste, donc du coup, même si les dégâts de l'attaque spéciale sont divisés par 2, ils sont remultipliés par 2 grâce à la présence de cet item. Dès le premier tick de l'attaque spéciale, il y a tous les fléaux qui se mettent en place. Et vu qu'on a doublé le nombre de ticks, et ben ça peut toucher énormément de vagues. Il y a un total de 5 vagues, c'est pas compliqué, votre attaque spéciale, elle peut faire 8 ticks. Et à chaque tick, les fléaux se mettent en place et le brise-armure également, brise-armure x2, je rappelle. Derrière ça, encore une fois, dès le premier tick de l'attaque spéciale, il y a l'ascendant spirituel qui se déclenche, qui fait que tous les autres ticks qui vont arriver derrière vont avoir une valeur boostée. Et en plus de ça, on a la vignette qui permet d'augmenter de 40% les dégâts spécifiquement contrôlés au lot tout le long de la vague. Donc c'est une construction de build un peu circonstancielle, parce que ça, c'est pas forcément quelque chose dont vous allez vous servir dans vos runs standards, mais sachez que si vous voulez réussir ce genre de choses spécifiquement en quête de groupe, ça fonctionne. Et ça permet également de vous apporter aussi la preuve que c'est pas nécessaire d'avoir un Yamaji forcément FT 500 SP pour pouvoir réussir. Je laisse P3, je ne sais pas vraiment à partir de combien de doublons il est capable de réaliser ce genre de choses, je serais pas surpris que vous me répondiez que dès P1 c'est possible, mais sachez que c'est très très largement réalisable. Après, forcément, l'arrivée de ce Yamaji, de toutes les possibilités de stuff débile et d'amélioration très conséquente de chrono que ça permet de faire en quête de groupe, bah forcément ça a chamboulé le classement de tête. Au départ, on trouvait énormément de cheaters effectivement qui étaient dans le haut du classement, maintenant on va trouver beaucoup plus de joueurs legit, mais là dites-vous que malgré que j'ai fait mon petit sub une seconde, il y a encore 2005 autres joueurs qui ont fait un meilleur temps que moi. Donc si ça se trouve, c'est pas grand chose, hein. C'est peut-être juste des gens qui ont fait des 0,01 seconde de mieux que moi, mais c'est pour vous dire que malgré ce temps, ce record absolument phénoménal, on peut toujours aller plus vite, il y a toujours moyen de gratter des frames. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite démo du jour. J'espère que s'il y avait encore des sceptiques parmi vous concernant les performances de ce perso, maintenant bah, tous les doutes sont levés. Là, faut bien se mettre dans la tête que cette version Guerre Sanglante 15 de Yamaji, c'est tout simplement le daron des persos pression spirituelle de l'entièreté de ce jeu. Vous avez comme d'habitude le champ commentaire à votre disposition en dessous de la vidéo si vous souhaitez me faire part de remarques, observations, de builds que vous-même vous avez pris l'habitude d'utiliser justement pour défoncer ce genre de vague. Et si vous avez vous-même déjà tenté votre chance avec le Yamaji Guerre Sanglante, qu'est-ce que vous avez fait comme temps? Quel est actuellement votre record en matière de score sur une journée? Je serais curieux de voir un petit peu à quel point il y a des gens qui ont réussi à gratter tellement de frames qu'ils ont réussi à faire des temps mais alors absolument inimaginables. Pas très loin du champ commentaire, bien sûr, comme d'hab, la description dans laquelle vous allez retrouver tous les liens utiles, réseaux sociaux, serveurs Discord communautaire et également la chaîne de stream Twitch sur laquelle on est en live tous les jours. L'avantage de YouTube, c'est qu'on dispose de pas mal de petites méthodes simples et gratuites pour soutenir une chaîne. Entre autres, le plus efficace, ça reste encore de s'y abonner si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo du jour si vous trouvez qu'elle le mérite. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon week-end, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite pour la suite. Ciao. We'll be right back.